Dossier espionnage. Dans le secret du renseignement. L'histoire de Mata Hari. Le nom même de Mata Hari est devenu synonyme d'espionnage, d'intrigue et de sensualité. La femme qui a adopté ce nom est née Margaretha Zelle le 7 août 1876 à Leeuwarden, aux Pays-Bas. Elle est le deuxième enfant d'Adam Zelle et de sa femme Ange van der Meulen et était la seule fille dans une famille de 4 garçons. Margaret était le surnom que lui donnait sa famille. Dans une famille et une société où tout le monde avait la peau claire, les cheveux blonds et les yeux bleus, la jolie Margaret se remarquait par ses épais cheveux noirs, ses yeux noirs et un teint d'olive. Elle passait pour juive ou javanaise aux yeux de ses voisins. Ce sentiment était motivé par le fait que Java avait été une colonie néerlandaise des Indes orientales.